Bonjour à tous. Bienvenue sur notre chaîne d'actualité. Aujourd'hui, nous allons vous parler de deux sujets d'actualité qui concernent l'Algérie. Le premier sujet concerne le général-major Mena Djebbar, patron du renseignement extérieur algérien, qui a récemment effectué une mission commando au Sahel pour renforcer la sécurité de l'Algérie dans cette région en proie aux violences djihadistes. Le deuxième sujet concerne la direction du mouvement Kabyle en exil qui envisage de quitter la France pour le Canada en raison de problèmes de sécurité. Commençons par la mission commando du général-major Mena Djebbar. Selon les informations que nous avons obtenues, le général algérien a effectué une importante tournée dans les pays du Sahel, accompagné du nouveau chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf. Lors de cette visite, le général Djebbar a multiplié les rencontres avec les dirigeants du Sahel pour renforcer les activités des services secrets algériens dans cette région stratégique et dangereuse. Le général Djebbar a également tenté de convaincre les dirigeants maliens de se réconcilier avec la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA, pour faire front commun contre les groupes djihadistes qui menacent la sécurité de la région. Cependant, l'influence algérienne dans la région est en chute libre, car d'autres forces régionales, telles que le Maroc et Israël, sont de plus en plus agressives et concurrentes. Le général Djebbar a également insisté auprès de ses interlocuteurs nigériens sur la nécessité de se préserver contre l'influence malsaine d'Israël. Passons maintenant à la situation des Kabyles en exil. Selon nos sources, la direction du Mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, MAK, et des membres du gouvernement provisoire Kabyle, Anavad, envisage de quitter la France pour le Canada en raison de problèmes de sécurité. Les dirigeants kabyles en France se plaignent d'un manque de protection de la part des autorités françaises malgré les attaques répétées dont ils ont été victimes de la part d'hommes de main du pouvoir algérien. Nos sources évoquent également la gêne grandissante de Paris vis-à-vis du pouvoir d'Alger sur la question kabyle. Voilà pour nos actualités sur l'Algérie aujourd'hui. Restez connectés pour plus d'informations. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de l'actualité algérienne. À bientôt.